si tu m'épouses, je te promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme. Je serai un bon père pour nos enfants que Dieu nous accordera. Je répondrai aux besoins de la famille à la mesure où le Seigneur nous bénira. Je te promets de t'aimer, de t'honorer et de te chérir, de t'assister dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que nous vivons tous les deux. Chérie Marissa, si tu m'épouses, je te promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucun autre homme et je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Je serai une ménageure. Je te promets de t'aimer, de t'honorer, de te chérir, de t'assister dans la maladie ou dans la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de m'attacher à toi tant que nous vivrons tous les deux. Alléluia. Mon amour. Sors. Je te promets d'être un bon père. Et je te promets de te faire toujours. Ma chérie, ma fille, je t'aime cette alliance. Et je te promets de te faire. Oh Dieu, je les impose les mains. Amen. 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 Sans tarder, appeler le couple Manassé, Bimamba, puis la Côte d'Angadi, Pifaïta, Pifaïta. Dieu vous bénisse richement. Ils peuvent rentrer à leur place.
c'est vraiment génial. Même les passants disent, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Voilà. C'est tout un cortège maintenant qui avance. Avec la mariée. J'attends aussi qu'elle apparaisse dans les viseurs. Voilà. Elle vient d'apparaître dans les viseurs maintenant. Que du bonheur dans le message de William Branham. Ni fura mujumbe Branham ni kicheko. Un mariage correctement fait. Ndoa ya muzuri na ya kufaniwa muzuri kabisa. Honorablement fait. Yenye kuheshimishwa kabisa kabisa. Merveilleux, merveilleux. Ça, c'est la Rebecca qui avance. Ça donne l'image d'un Eliezer là à côté qui amène Rebecca vers son mari. Pour que maintenant ils se rencontrent dans les airs. Il n'y va pas te couper katika ewa. Oh 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 oh. Kweli 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 kweli. C'est un long cortège là-bas. Il ni cortège moi à kafumba. Cri de joie, mina miomba kilalamiko kikinene kabisa kya fura kikelekele. Avec une douce marche, ça c'est un ça. C'est vraiment ça, c'est bon ça. En tout cas, on est comme un épisode, c'est respectueux. C'est ça qu'on appelle marche nuptiale. C'est vraiment bon comme vous n'avez pas eu. J'apprécie cette façon. C'est ça marcher. La marche nuptiale. C'est même tout. C'est vraiment tout. Profitez-en vous les futurs mariés pour en prendre la leçon. Profitez. Parce que Bibi n'a jamais vu l'endroit et ta couille. Oui, c'est vraiment bien. Quelle bien appendez-vous à Sana.
les photographes particuliers, les simples de la place aux photographes professionnels. Ba photographe ba umumwetu ba ma téléphone moi ko ba photographe ba personnel ba le barileta. Moi muko na bambi yako kumkongo munasia ba photographe ba barikuya beko na pamba buzuri na kamera yetu yoneshe bien. Ba photographie et tout voilà. Ba ma téléphone. Muko na chia ba photographe ba geni na kamera yes, yetu ibambe kumzu. Est-ce que je peux entendre des cris de joie? Timinezi kusik kola la miko ya pura. Est-ce que je peux entendre des cris de joie et d'encouragement? Des cris de joie et de félicitations. J'ai l'honneur de consacrer le mariage de frère Manassé. Un frère que tout le monde connaît d'un témoignage correct. Nduku ambapo kila mtu anamjua na ana ushuhuda ya mzuri kabisa. Un frère qui n'a pas affiché de mauvais comportement. Nduku mwenye ashikutoneshe ko fasi be ya mubaya. Un frère que j'ai aimé depuis son jeune âge. Nduku mwenye nilipenda tangia alikuwa mtoto. Et que j'ai encadré aussi. Na mwenye nilisaidia ama kumu je commence par le féliciter et admirer vraiment sa patience et son attitude. Est-ce que nous pouvons lui donner un bon coup d'acclamation pour... Comprenez mon émotion. C'est à tel point que je manque de mots. Un jour que j'attendais beaucoup. Je sais ce que j'ai dit. Parce que je connais bien Manassé. J'ai vécu avec lui dans la maison. Depuis le début d'Agapao. Tokea kumwanzo ya Agapao maskani. J'étais avec lui chez nous à la maison. Nilikala naye kwangu kunyumba. Et je connais son témoignage. Na nilushuhuda yake ya ukweli. Je suis vraiment ravi. Kweli ninafurahi kabisa. Supportez-moi quand je parle comme ça. Donc c'est comme ça que je sens que je dois parler. Munivumilie wakati nasema hivi manake nasukuma kama njoo namna ile mimi nizi kusema. Il fallait que je dise quand même un mot pour ce frère. Alors maintenant, nous allons les appeler à venir ici. L'homme sera à ma droite, la femme à ma gauche. J'aimerais qu'on puisse aider la femme. Qu'ils avancent ici. Et au milieu des acclamations, des cris de joie. Pana biako bia kuntulu. Aute bionaka hivi. Hivi ni biamu message. Hivi ni biamu mujumbe. Biku bizuri sana. Eza buta mpenza. Semema enviable. Yo inyewe, iko ya mzuri kabisa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons d'abord appeler l'initiateur du mariage lui-même. Na hapa tuta ita kwanja ule mwenye alifanya kama ndoa ipate kuwako. Parce que le mariage n'est pas ce qu'il doit être sans la présence de l'homme
de la femme et de Dieu. Kwa sababu ndoa haiwezi kuwa kile iko kama hakuna uwepo ya mtu mwanaume na mwanamke na Mungu. Nous avons l'homme, nous avons la femme. Tuna mwanamke, tuna mwanaume. Maintenant, nous invitons Dieu. Na hapa tunamwalika Mungu. La tête et je vais prier. Tutainamisha vichwa na mitaomba. Seigneur Dieu notre Père, créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent. Tu as dit dans les Écritures et par la bouche de ton saint prophète qu'après la vie éternelle, la chose la plus bonne que tu puisses donner à un homme, c'est une bonne femme. Et vice-versa, parce que le mariage, c'est ce qui a permis que nous puissions même nous multiplier ici sur la terre. Lorsque tu as uni le premier homme et la première femme ici sur la terre, Adam et Ève, tu les as consacrés, tu les as rendus féconds. Et c'est ainsi qu'après, Seigneur, cette période, cette cérémonie a continué à se répéter au cours des âges, jusqu'à ce soir où un homme et une femme se tiennent ici devant l'autel de Dieu pour être unis dans ce saint mariage. Je te demande, divin maître, de pouvoir maintenant, Seigneur, descendre comme tu étais descendu dans le jardin d'Éden pour initier la cérémonie de mariage. Fais la même chose parce qu'il ne s'agit pas d'un prédicateur, mais il s'agit de Dieu qui vient à travers son ambassadeur pour faire le boulot. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu puisses être Père éternel dans toute cette cérémonie et de la bénir, de mettre ton sceau dessus et de faire réussir ceci véritablement sur le plan du visible et sur le plan de l'invisible. Nous te le demandons avec foi, croyant que tu es déjà ici. Car il est écrit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Nous te prions d'être là et de bénir cette cérémonie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien. Muzuri sana. À qui demanderai-je que cette femme devienne l'épouse de cet homme? Nani mwenye mitaomba, njo ya kusema uyu mwanamke apate kuwa bibi yake au mwanaume? Vous pouvez vous avancer. Karibu sana papa, unaweza kukaribia huko kumbele. Avancer. Karibia huko kumbele. Vous répondez en tant que qui? Unajibia sawa nani? En tant que? Vous répondez en tant que qui? Ok, il répond en tant que son propre père. Que Dieu vous bénisse, papa. Ça, baba yake wa muke mwenyewe. Très bien. Est-ce que, baba? Ok. Est-ce que pour nous affirmer que vous êtes d'accord de prendre votre fille et de la remettre à cet homme, vous pouvez prendre sa main droite et la mettre dans la main de l'homme? Tu es à côté de Dieu. D'accord. Kabisa, la main de votre fille. Ya bwanaume ya mtoto yako uiweke mkono ya bwanaume ya ule. Voilà, très bien. Asante kabisa. Ile Mungu akubariki na unaweza kurudia pafasi. Voilà. Que Dieu bénisse notre papa. Mungu abariki baba yetu. Il vient de donner sa fille. Anatokea mkutwala ama kupeleka mtoto yake. Lui-même. Ye mwenyewe hakuna wakufunga Manasse. Kwa ndugu yetu Manasse. Chers bien-aimés frères et sœurs. Bapendwa yangu ba nduku na badada. Nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ces groupes de gens. Tunakusanyika hapa mbele ya Mungu na mbele ya hii kundi ya watu. Pour unir frère Manasse et sœur Meda dans ces liens sacrés de mariage. Dieu a kuunga nduku Manasse na dada Meda katika ungano takatifu ya ndoa. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme une chose honorable parmi les hommes. Inaamuriwa na mtumishi Paulo kama kitu kia kuheshimia kabisa kwa watu wote. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment. Haipewe kwa mtu apate kuingia ama tu na nyepesi. Ou légèrement. Ama katika nyepesi tu. Plutôt avec respect. Zaidi pamoja na heshima. Prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Na bukalamushi kabisa katika kuongopa kwa Mungu. Ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans une union sacrée. Hao watu wawili beko hapa balikuwa ndio wapate kuingia katika ungano takatifu. Ce n'est pas l'union sacrée de la nation. Aina union sacrée ya politique. C'est l'union sacrée de mariage. Hii inakuwa ni ungano takatifu ya ndoa. Si y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie. Kaka kwa kuko mtu ule anaweza kutuonesha kile kinaweza kufanya kama bashipate kuunga hii ndoa.
dans les liens sacrés de mariage, qu'ils le disent maintenant, sinon qu'ils gardent désormais silence. Nous pouvons incliner la tête. Je vois qu'il n'y a personne. J'exigerai et vous demanderai à vous deux, car vous répondrez sûrement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Je m'adresse à Sœur Meda et Frère Manassé, que si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce lien sacré, mariage, qu'il les confesse maintenant. Car soyez-en assurés, tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. Frère Manassé, connaissez-vous quelque chose qui peut empêcher que vous ne soyez unis légalement dans ce lien sacré? Non, pasteur. Il dit que non. Amen. Je suis chez Sœur Meda. Naenda kwa dada Meda. Sœur Meda. Da Meda. Connaissez-vous quelque chose qui empêcherait que vous ne soyez unis légalement dans ces liens sacrés de mariage? Il n'y a rien, pasteur. Il n'y a rien, pasteur. Gloire à Dieu. Kwa Mungu. Ça c'est l'air niette. Iyi ni niette ya bonabo. Vous vous souvenez de niette? Muna kumbuka niette. Niette il est là-bas quelque part. Ah niette yupo quelque part pale. Mais croyant bien entendu. Que vous avez considéré cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre, et que vous vous êtes préparé à y entrer sur la même base avec révérence, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu, je vous demanderai de faire l'alliance de mariage. Veuillez attester la même chose en joignant vos mains droites. Ce que vous êtes sur le point de faire maintenant, c'est l'alliance. Vous avez vos mains droites joints. Et je vais vous poser la question à chacun de vous. Je souhaiterais que vous puissiez mettre vos mains sur ma Bible pendant que vous faites cette alliance. Frère Daniel, je vous prends un commentaire. C'est grave. Je pose la question maintenant à Frère Manassé. Frère Manassé, acceptez-vous cette femme, Sœur Meda, comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir et de l'assister dans la maladie ou la santé, katika afya njema ama magonjwa, dans la richesse ou la pauvreté, katika utajiri wala umaskini, et d'abandonner toutes les autres si longtemps que vous serez tous deux en vie. Na kukatala ko bengine bote wakati yote mwe bote wawili mtakuwa bajima. Répondez. Jibu. Oui, pasteur. Oui, Dio, je l'accepte, pasteur. Je le promets. Namulaka. Je le promets, dites comme ça. Oui, pasteur, je le promets. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Moi aussi, j'acclame. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Sœur Meda
Acceptez-vous, frère Manassé, comme votre époux légitime. Pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie ou la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de ne vous attacher qu'à lui tant que vous serez tous deux en vie. Le serment d'avant nous répondre. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Oui, je le promets. C'est bien, n'est-ce pas? Oui, je le promets. Je le promets. J'exigerai un signe. Un signe de votre alliance que vous venez de traiter. Montrez-nous les signes. Est-ce qu'il y a les signes quelque part? Nous connaissons tous ce qu'est les signes, n'est-ce pas? Un signe matériel. Voilà, les signes sont là en train d'arriver. Voilà. Tayari kabisa. Les signes sont là. Malama iko hapa. Le deuxième signe, je le vois, il est surplombé d'un diamant. Ah, il y a pire, iko na alimasi juu yayo. Vous vous souvenez de ceci passera aussi? Moi mnakumbuka hii nayo itapita. C'est comme ça qu'était cette bague là. Jovile ile bague iko yaka mule chini njo mbuya. Avec un diamant dessus. Il iko aka na alimasi juu. Mnaona ile? Voilà, je profite pour vous rappeler mes enseignements. Les deux bagues sont posées sur la Bible du ministre ou du prédicateur. Et qu'il ne puisse se vêtir ces bagues, je vais d'abord les consacrer parce qu'ils ont été achetés dans un marché public. Que notre Père, puissant vainqueur, créateur du ciel de la terre et donateur de tout au excellent, je viens devant ta face avec ces bagues, Seigneur, avant que cela ne soit utilisé. Dieu Tout-Puissant, nous connaissons ce qui se passe dans des marchés. Éternel Dieu de gloire, il y a des bagues qui se vendent pour plusieurs motifs. Et je demande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que tu puisses consacrer ces bagues, Père, afin que ça serve pour l'objectif même pour lequel elles ont été achetées. Bénis-les, oins-les, en tant que ton serviteur, je les touche, Seigneur Jésus, pour que ceci puisse servir d'un signe, comme le prophète l'a dit, par lequel, en le regardant l'un au doigt de l'autre, ils se souviendront de ces signes qu'ils viennent de traiter aujourd'hui. Béni soit-il à jamais, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien, très bien. Gloire au Seigneur. Maintenant, l'homme va prendre la bague qui convient à sa femme et faire porter sa femme à la main gauche. Mwanaume atachukua mpete yenye inakuwa ya bibi yake na kumuvika hayo kumukono. Ya bwana mke. Utaloba au talobo. Okoloba, okolobate. Utasema, autasema. Okoloba. Ok. Ah. Akoloba. Mushikie bintu. Ah, donnez la main ici. Ok. Ça, c'était pour les fiançailles. Akakarikwanjo a fiançailles. Courage. Concentration. Aïe, aïe, aïe. Filmez bien. Ouais.
Ça commence, écoutez. Écoutez. Ma tendre et aimable épouse, devant mon église, devant ma famille, devant ta famille, je te promets mon amour. Voilà. Yo, calé, calé. C'est bien. Maintenant, c'est le tour de la femme de prendre la bague. La bague de son mari et. Dada na yate beba ya wana yake. Kama na ya taloba. Kama talobana. Ujwakula nyukwe nwakwe. Ujwakula. Ok. Atasem. Mon chéri Manas. Je dis vraiment merci. Merci de m'avoir honoré. Hein? Devant mes parents. Je te dis vraiment merci. Je te promets de t'aimer, de te respecter. Vraiment de t'aimer. Je t'aime, chérie. Voilà. Le, le, le. Ça c'est vraiment mal oublié là. C'est vraiment cool ça. Bien en vous en voix. Est-ce que ce n'est pas cool? Aïna Mouzouri. C'est même chic. Vraiment bien. Bien, 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 bien. Ota chiki ya sa toanzoulé mombel. Alors. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Vous allez joindre vos mains de nouveau et vous approchez ici. Vous êtes ici. Non, la main droite. Vos mains droites. Vous vous joignez. Vous joignez. Ça, voilà. Ok. Voilà. Nous allons incliner la tête et nous disons un mot de prière. Tota inamisha bichwa na tutatoa msema maombi. Père céleste, alors que nous sommes conscients de cet acte que nous posons et que nous savons de toi qui avais marié le premier couple qui s'est marié sur la terre, quand tu avais marié notre père et notre mère Adam et recommandé de croître dans le monde, d'être fécond et de se multiplier jusqu'à ce jour. Seigneur, où ces jeunes hommes et cette jeune femme viennent maintenant pour être unis en vertu de ta parole et de ta promesse, sont choisis compagnons de vie, le pèlerinage de leur vie. Je demande que tes actions reposent sur eux, Dieu Tout-Puissant. Fais de un modèle en ce jour de la vie d'insouciance. Qu'un homme et une femme puissent vivre fidèlement et vertueusement devant Dieu et devant le monde. Rends-les féconds, Seigneur. Puisse-t-il être toujours à ton service. Puisse-t-il être à tout moment l'hôte invisible de leur mariage et de leur maison. De même que tu avais béni Isaac et Rebecca et qu'ils avaient vécu ensemble très heureux durant leur vie. Je prie aussi que tu bénisses ces jeunes hommes, frère Manassé. Et cette jeune femme, notre sœur Meda, Père, je te prie de m'exaucer. Dieu Tout-Puissant, je suis ton serviteur. Tu m'as envoyé, Père, dans le ministère. Tu m'as doté, ô Dieu Tout-Puissant, d'un pouvoir et d'une autorité de bénir le mariage. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, maintenant que toi, la troisième personne, tu es ici, je proclame, Père éternel, ces paroles, Seigneur Jésus, du plus profond de mon cœur. En vertu de la commission qui a été donnée à William Branham, Seigneur Jésus, commission confiée par l'ange du Seigneur, venant de la présence du Dieu Tout-Puissant, Père éternel, commission sous laquelle je travaille en tant qu'apôtre du Seigneur, je déclare, frère Manassé et sœur Meda, mari et femme, au nom du Seigneur Jésus-Christ,
Amen. Amen. Maintenant, frère Manassé va découvrir sa tendre épouse et lui donner le premier baiser. Apa, frère Manassé, atato chapazi ya yamkewake na atamobusu nju ya malaya. Akuna chiku ingine paka indambo ndambo. Waouh! Très bien! Eh, hey, hey, attention, attention, maintenant c'est le moment crucial. Ok, bah! Apa ça, ça ni machari chari. Wachala, wachala. Très, très bien, frère, Anunanko. Très bien! Très bien! On vous enseigne! Bekonemi fundisha, vous les mariez, on vous enseigne. Moi, je vais le faire chaque wanak. Amu panguzana ketena na kumachu. Ça se prépare. Oh, anu na ngota. Yekalakele. Bien, bien, bien. Anga tabualu. Lelele. Le premier baiser. Busu kwa kwanza. Le tout premier baiser. Joku mubusu kwa kwanza. N'est-ce pas? Ça commence ici à l'hôtel. Alors la suite, c'est la charge, c'est la responsabilité, c'est les désirs sur les épaules de l'homme. Allez-y mes enfants, soyez à l'aise. Se prendre le voile. Joy le banaita kase ma clé de David. Parce que tu es mon longa ninanga, mon panzi nanga. Hey, on de neva. Ya makuwa, ya mikuwa nanga. Ya mikuwa nanga. Tu es la chair de ma chair. Tu t'as tiré de mes corps. Ya makuwa, de mes corps. Ya mikuwa nanga. Tu es la chair de ma chair. Ça va venir, soyez patient. Oui, moukoué, tout n'a vous mêlé, vous tournez, yo, pé, koya. Tu es l'ennemi que l'âme sur destinée pour moi, Adam. J'ai décidé de t'honorer, la preuve d'amour. Tu es la reine de moi. Hey, yo, wass, regardez maintenant. C'est symbolique. Ça, c'est une agrafe. Elle n'a pas de tête. Je n'ai pas de tête. C'est toi ma tête. Parce que l'homme est le chef et la tête de la femme. C'est ce qui vient de se faire. Est-ce que nous pouvons acclamer? Tenez-vous main dans la main. Pendant que nous prions pour la foi. Gloire au Seigneur. Wow. Très bien. Que Dieu vous bénisse mes enfants. Félicitations. Que Dieu te bénisse. Félicitations, félicitations. Courage. Mungu akubariki na akuchunge. Voilà. Kweli. Tu es la chair de ma chair.
photographe ou qui rate na weka jab. Tu es la chair de ma chair. Zambe na izaka ye wana pesinga mwasi. Mwasi wali nene lo matamwe. Tu es la chair de ma chair. Ok. Vous pouvez descendre maintenant en bas là. Oui, les ça, monnaie, c'est que kilo quoi, pas kilo quoi tout. Ah, pas les kilo quoi. Ça, c'est le père, le papa. Oyo ni baba, mzazi. On demande à la maman de s'approcher pour les photos. Banaomba mama a chofundu à kubamba kotui à souvenir. Ce sont des photos souvenirs. Ini ma photo inabakia katunaza kumbukia. Ok. On arrête par là. Hein? Ne venez pas, les autres ne venez pas. Yangine mchukuye, à 18h, vous allez prendre des photos. 18h, kula ta mon afikicha saka, ni paka mwe benyeu. Voilà, c'est terminé. On a malizika. Nous allons prier le Seigneur. Tout à omba mungu. Nous allons prier le Seigneur. Tout à omba mungu sasa. Dieu tout-puissant, prince de la paix, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Comme le prophète nous l'a dit chaque fois que nous célébrons un mariage de telle façon, nous pensons au mariage qui aura lieu bientôt. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu des miséricordes, l'un de ces jours, comme tu l'avais promis, tu viendras nous prendre et nous amener dans les places que tu as préparées pour nous, afin que là où tu y es, nous y soyons aussi. Éternel Dieu de grâce, et chaque fois que nous voyons ce genre de cérémonie, ça nous rappelle toujours cette portion de la parole qui va bientôt s'accomplir. Nous demandons, Seigneur Dieu de grâce, que tu puisses préparer non seulement nos corps, mais beaucoup plus nos âmes. Parce que la Bible nous dit que certes il a un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme. Nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous serons en train de nous réjouir, que ce soit ici ou à la fête, ou à la prise des photos, Seigneur Jésus, partout ailleurs, je demande, Éternel, que toi, tu puisses toujours nous faire penser qu'il y a un jour où ceci se fera dans la réalité. Parce qu'après tout, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est que l'ombre, ce ne sont que des types. Nous demandons que tu fasses, que nous soyons, que nous fassions partie de la réalité qui aura lieu bientôt dans les airs. Bénis-nous Seigneur, bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis tous les frères d'Agapao et tous nos visiteurs qui sont venus aujourd'hui. Accorde ta grâce et ta bonté Seigneur Jésus sur ce couple. Accompagne-les Seigneur, protège-les dans toutes les courses qui seront faites en ce jour. Père éternel, bénis aussi la fête qui va se faire autour de 18h. Et je demande, Seigneur Jésus, que ta paix puisse y régner et que l'atmosphère et l'ambiance de l'harmonie et de l'amour puissent régner également là-bas. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous prions que tu nous accompagnes en nous bénissant davantage, en nous donnant l'occasion de retourner ici le mercredi, le vendredi, le mardi, le jeudi et le dimanche. Bénis nos vies et accepte-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le meilleur et le pire, parce que tu es mon longa ninanga, mon panzi nanga. Hey, on de Eva. Yo makuwa, ya mikuwa nanga, ya mikuwa nanga. Tu es la chair de ma chair. Tu t'as tiré de mes corps. Yo makuwa. Tu es la chair de ma chair. Et c'est plus singaï, cause la peine na yo. Yo Eva Nangai, la reine de mon royaume. Tu es l'ennemi que l'âme sur destinée pour moi Adam. J'ai décidé de t'honorer, la preuve de mon amour. Tu es la reine de mon cœur. Yo makuwa, ya mikuwa nanga.
tu es la chair de ma chair. Tu t'es extrait de mes côtes. Yo Mokoua, Yo Mokoua, tu es la chair de ma chair. Voyons Jésus, Jésus, lui qui est le tout puissant. Soki moninga azui, yo sepela. Ces côtes percées, On a bloqué quand même l'équipe de joie, l'équipe de joie parmi nous. Nous sommes là, ils arrivent. DJ la musique. Oh, ta maman de quoi, tu vois, maman? C'est dans une petite vie qu'elle est, chère maman, chère maman. Voilà, voilà. DJ la chanson. Malheureux, je marchais dans ce monde comme un lépreux, rejeté et me demandant d'où me viendra le secours. L'amour, la joie n'existaient pas pour moi. Autant j'étais rejeté, autant je m'embrouillais, autant je m'enfonçais dans le désespoir. Mais un jour, un jour vraiment spécial, un facteur venu à ma rencontre me donna une enveloppe contenant une lettre venue d'un pays lointain. Dès ce moment-là, tout a changé dans ma vie. À qui veut bien l'entendre, voici mon secret. J'ai reçu une lettre d'amour venue d'un pays merveilleux. Son expéditeur, c'est Jésus-Christ. Cette lettre, c'est le message de l'heure promise. La puissance de résurrection, la foi de l'enlèvement, des mystères cachés de tous les temps, la grâce infinie, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle a eu raison de mon cœur complètement. Oh combien c'est tellement bon de se savoir aimer. L'amour de Dieu est indescriptible. Autant il se révèle, autant c'est très profond. Autant tu t'enfonces dans le mystère. Précieuse lettre que je relis chaque jour, sans jamais me lasser un seul instant. Entre les lignes, avant de commencer avec notre béni. Alors nous invitons le pasteur Richard, il va prier, recommander la soirée entre les mains de Dieu. Question de commencer avec le béni. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, toi, le Créateur du ciel et de la terre, toi, le Donateur de tout don excellent, toi, le Maître de toutes circonstances, nous te disons grandement merci, Seigneur,
pour la cérémonie de mariage que nous avons officiée à l'église. Et maintenant, nous nous retrouvons ici dans cette salle qui typifie la prochaine salle de noces spirituelles que ton épouse et toi-même iront fêter bientôt là. Seigneur Dieu de grâce, nous aimerions que pendant ces temps que nous sommes en train de fêter et de nous réjouir avec notre frère et notre sœur, nous puissions en même temps réfléchir sur ce qui est à venir. Éternel Dieu, nous demandons que la présence de la colonne de feu, l'ange puissant, y accompagne Seigneur Jésus, l'Ancien et le Nouveau Testament, et qui a interprété les deux aujourd'hui. Que cet ange du Seigneur soit ici en permanence pour contrôler chaque scène, pour contrôler même, Seigneur Jésus, les choses que nous allons manger. Dieu Tout-Puissant, maîtrise la situation, soit l'alpha et soit l'oméga. Nous te remettons toute la gloire, l'honneur, la magnificence, l'élévation au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissements fortement pour vous. L'homme quittera sa famille pour s'attacher à son épouse. Ils deviendront une seule chair, même sans avis, pas question de tabou. Ce vrai grâce quittera ses parents pour s'attacher à sa béoula. Ils deviendront une seule chair, même sans avis, pas question du péché. C'est comme Jésus, notre sauveur, quitta les trônes du Père et s'était attaché à son épouse. À son épouse du temps du soir, Dieu dévoilé devant nous, cela n'est pas un tabou. Dieu du ciel dévoilé, cela n'est pas un péché. Oh Dieu du ciel dévoilé, voilà ce qui bénit l'épouse du soir. C'est pourquoi moi j'ai reçu l'os et les os. Moi j'ai reçu la chair de ma chair, qui sera à mes côtés dans le haut et le bas. Qui sera à mes côtés dans le haut et le bas. Chair de ma chair. Nous étions très nombreux, comme Rebecca à la source. Nous étions très nombreuses, mais je n'ai pas compris, mes bien-aimés, comment son choix est tombé sur moi. Je n'ai pas compris, mes frères et sœurs, comment le choix du Seigneur tomba sur moi. Malgré mes défauts, mes erreurs, mais son choix tomba sur moi. Et malgré mes péchés, son choix tomba sur moi. C'est pourquoi vous me voyez aujourd'hui avec sourire aux lèvres. Je vous assure, mes bien-aimés, je manque comment exprimer mon émotion. Oh, moi